Good morgen, allez, Iden, les Yisrael, aujourd'hui, le Nishmat, François Vajib, Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortuna, Mazal Fritna, Claude Chloumba, Ben Shalom, Mishaya, Ben Linda, et Moshe, Ben Sol, Vanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Péa, Peridalet, Mishnah, Yud Alef. Chorei Anemalim, Shebeto Hakama, Arehen, Shelbaal Abait, Sheleachar Akotsrim, Haelionim, Laanim, Vatartonim, Shelbaal Abait. Rabbi Meir Omer, Akol Anim, Shisafek Leket, Leket. On parle d'une nouvelle situation en rapport avec le Leket, bien sûr, c'est-à-dire le Leket, c'était ce qu'il faut laisser pendant que tu es en train de cuire, ce qui te tombe des mains, tu dois laisser pour les pauvres. Et la Mishnah m'enseigne, Chore Anemalim, les trous des fourmis, Shebetoch Hakama, qu'on trouve au milieu des épis. Soit. En fait, il est en plein milieu de mon champ, et là-bas, un peu plus, pendant que je suis en train de cuire, je tombe sur une, je sais pas comment ça se dit, une petite mechila, enfin, un trou où vivent là-bas les fourmis, et puis là-bas, elles ont stocké une tonne de, une grosse quantité de blé. Et là, ça existe, c'est déjà eu des témoignages. Et les fourmis, comment est-ce qu'elles réussissent à stocker, c'est des quantités phénoménales. Donc en fait, j'ai découvert un trou de fourmis où dedans il y avait plein de blé. Le blé qui se trouve là-bas, c'est bien sûr le blé qui vient de mon champ. Mais la problématique c'est de, est-ce que c'est le blé qui vient de ma part à moi ou de la part des pauvres? Alors la Mishnah me dit, « Chore anemalim, les trous des fourmis, chez Beto Hakama, qui se trouve au milieu de la kama des épis quand ils sont encore plantés. » Are en shalba la baït, ça appartient au propriétaire pour la bonne raison que, pourquoi pas, pour le moment, c'est même dispensé complètement de PA et de tourmot, non, tourmot en sortie, mais c'est dispensé de PA même pour le moment. Ce qui a déjà été cueilli de manière permise, on avait appris ça déjà. Donc pour le moment, ce que tu as trouvé, c'est à toi, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre. Par contre, chez les achar à kotsrim, une fois que les gens qui ont, des employés qui ont cueilli tout le champ, on a tout ramassé, et puis ensuite on va découvrir qu'il y avait des trous de fourmis, avec plein de blé dedans. D'où la question, d'où ça peut venir? Ils ont pris de ma part, de la part du propriétaire, ou bien ils ont pris que lorsque le propriétaire est parti, qu'ils avaient laissé toute la part des pauvres par terre, elles ont pris la part des pauvres et l'ont mise. Donc du coup tu ne sais pas à qui ça appartient, est-ce que ça appartient, ça vient des pauvres, ou est-ce que c'est la partie des pauvres, ou c'est la partie du propriétaire? Alors la Mishnah me dit, bien c'est très simple, une solution, c'est que Haelionim la Aniyim, va Tartonim shel Baal HaBayit. Le blé supérieur, le blé qui est en haut, ça appartient aux pauvres, et va Tartonim, tu devrais laisser pour le pauvre, va Tartonim shel Baal HaBayit, et la partie inférieure, tu la laisses au propriétaire. Soit, comme nous dit le Barthénois, en réalité, c'est pas une question juste de où ça se trouve, en haut ou en bas, mais en fait. C'est qui l'a dit? C'est pas le partenaire, je ne trouve plus. Non, c'est ça, il veut dire plus tard. Et c'est qu'en fait, il y a 200 de blé. Il y a du blé, tu vois, selon la fraîcheur du blé. Est-ce qu'il a commencé un petit peu séché? Ou est-ce qu'il est... Oui, donc je crois qu'il devient plus blanc, plus vert. Et par rapport au blé qui est plus frais, qui est encore naturel, soit plus blanc, soit plus vert, soit le contraire, je n'ai pas à comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire, ce qu'il y a écrit plus précisément, je vous le dis tout de suite, c'est que, je ne trouve plus, ah voilà, et donc, Mishanotim Lashrir, c'est qu'en fait, le blé qu'on cueille, apparemment, il est plus blanc, plus on va traîner, plus il va devenir plus vert sec, un peu qui va tendre vers le foncé, vers le noir. Apparemment, c'est à lire, peut-être que c'est écrit dans le Barthénois, je ne sais pas exactement, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, j'ai vu des épis de blé frais, pour vous donner une idée. Donc, il nous dit comme ça, tu vas voir selon le cas. Ce qu'il y a à l'intérieur en dessous, ça a l'air beaucoup plus sèche, c'est beaucoup plus vieux. C'est sûr que ça a été cueilli de l'époque avant que ton champ soit cueilli. Par contre, la partie supérieure qui est plus fraîche, alors il faut craindre qu'effectivement, les fourmis sont venues prendre de la part qui revenait aux pauvres. Et dans le doute, tu devras les laisser. Ok? Donc, Aelionim la Aniim, et Vatartonim, Shalabalabait. Les supérieurs, c'est pour les pauvres, les inférieurs, c'est pour le Balabait. Et Rabbi Meir me dit non, akol la'anim, je sais avec les quêtes. Tu dois tout laisser pour les pauvres, même la partie inférieure, tu dois laisser pour les pauvres. Pour quelle raison? Parce qu'on a une halakha spéciale, c'est déduit que ça fait que les quêtes. Lorsque tu as un doute sur du blé, est-ce qu'il est les quêtes ou il n'est pas les quêtes,
normalement, on a une règle qui me dit ça fait que de Oraïta, ça fait que de Rabbanan, ça fait que de Mamonot, on dirait que qu'est-ce qu'on fait pendant les Sukkot. Selon la loi stricte, on aurait pu en théorie reprendre ce blé pour toi. Il y a eu un passou qui est venu m'apprendre, la Anive la guerre, ta Azovotam. Le passou qui a insisté de le laisser pour le pauvre, même ce que tu as en doute. Et donc, puisque même ce qui est en doute, tu devras laisser pour le pauvre. Dans ce cas-là, maintenant, on revient sur notre cas. On a trouvé le trou des fourmis. Et t'as dit, ah, il y a la partie supérieure, elle est trop fraîche. La partie inférieure, elle est plus séchée. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il peut aussi y avoir, des fois, même la partie qui provient des pauvres, une partie qui était déjà sec, peut-être d'un grain, d'un épi de blé qui était à moitié sec, pendant qu'il était encore planté. Donc, du coup, même, c'est pas encore une preuve assez nette que, puisque le blé a commencé à sécher, qu'il appartient pas au pauvre. C'est possible qu'elle appartienne au pauvre, mais dans ce cas-là, dès que tu as un doute sur le leket, alors la Torah m'a dit, ça fait que leket, dans le doute du leket, tu vas le laisser pour les pauvres qui sera leket. Et là, figurez-vous que la Lacha est avalée comme Rabbi Meir, Behemet, qu'il faudra tout laisser pour le pauvre. Dès que tu as un doute, est-ce que ça appartient à toi ou au pauvre, tu laisses ça pour le pauvre. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha comme tout. C'est là.